every one of us et pour la main de Dieu sur ta vie. And for the hand of God on your life. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas le fruit du hasard. I want you to know you are not the fruit of chance. Tu n'es pas le fruit du hasard. You are not the fruit of chance. Il y a quelque chose. There is something sur ta vie. On your life. Quelque chose de merveilleux. There is something of wonderful. Quelque chose d'exaltant. Something of exalting. Et tu te dis, mais pourquoi je passe par ça, par ça, par ça? And you ask yourself, why am I passing by this, this and this? C'est parce que l'ennemi essaye de t'écarter de ce que Dieu a décidé de faire. It's because the enemy is seeking how to backslide you from what the Lord wants for you. But I want to tell you that he cannot. Tous ses efforts vont accoucher d'une souris. Or his tries shall give birth to a rat, shall fail. Tous ses efforts vont accoucher d'une souris. All his efforts shall fail. Merci, Pasteur Thomas. Thank you, Pastor Thomas. Ma Bible dit, my Bible says, les ténèbres ne régneront pas toujours. Darkness shall not be forever. Car Dieu, for God, a fait briller la lumière. Made bright shine the light within darkness. La lumière de Dieu a touché les ténèbres de ta vie ce matin. The light of God touched the darknesses of your life this morning. Nous avons eu un mois merveilleux. We had a marvelous month. Je crois que depuis le début de cette année, I think that from the beginning, le mois de septembre, of this year, this personnellement, month of September, et le mois où Dieu m'a beaucoup parlé, is the month where God spoke to me much. Je crois aussi que c'est le mois où j'ai beaucoup pleuré auprès de Dieu. I also think it's the month where I cried more to the Lord. Le thème de ce mois, the theme of this month, a été interpellant. Was calling. It stays calling. Avancer, going forward, dans le revêtement, in the du caractère de Christ, of the character of Christ. Frères et sœurs, brothers and sisters, chers collaborateurs, serviteurs de Dieu, dear collaborators, servants of God. Si ce n'est pas notre objectif, if it's not our nous objective, sommes les plus malheureux sur la terre. We are the more miserable on earth. Et vous, notre foi est vaine. And our faith is vain. Et notre foi est vaine. And our faith is vain. Si nous avons simplement cru à Christ, if we just believe to God, pour avoir to Christ, un mari, to have a husband, pour avoir une épouse, to have a wife, pour avoir un véhicule, to have a vehicle, pour avoir un travail, to have a work, pour avoir la santé, to have pour health, avoir une maison, to have a house. Oh, j'aimerais vous dire, I want to tell toutes you, ces choses-là resteront. All those things shall stay. Le jour la mort frappera. The day where mais death il y a quelque chose. Hit. Il y a quelque chose. Something. Avec la quel nous pouvons paraître devant Dieu. We can appear before God. Il y a quelque chose. There is something qui peut traverser la terre. That can go after the grave. Et nous faire tenir devant Dieu. It makes it avec assurance. With assurance. C'est notre vie. Is our life en Christ. In Christ. Notre vie en Christ. Our life in Christ. Le genre de vie the type que nous of mené that we shall pendant notre séjour sur terre. The type of life we live during our journey on earth. Je disais, I said, il y a quelques heures au séminaire d'évangélisation. Some few hours at the seminary of evangelization of the gospel. Je voudrais quitter ce monde en laissant des marques. I want to leave this world leaving marks. Il y a quelques jours, some days, some 5 jours days, de cela, five days, papa était en train de souffler sur sa 89e bougie. My father was blowing on his 89th candle. C'était son 89e anniversaire. It was his 89th anniversary. Et j'ai écrit un message. And I wrote a message pour le célébrer. To celebrate et l'une des choses dont je suis reconnaissant à Dieu, of which I'm reconnaissant, c'est que mon père a tracé un chemin clair. Is that my father traced a clear way. Frère,
brother. Je sais. I know. Ce que Marie doit faire par rapport à sa femme. What Mary, that a husband has to do. Je sais ce qu'un pasteur doit faire par rapport à l'église. What a pastor has to do according to the church. Je sais ce qu'un père doit faire pour ses enfants. I know what a father should do for his children. Je sais ce qu'un père spirituel doit faire pour ses enfants. What a spiritual father has in debt for his parce que Dieu m'a fait grâce. Because God gave me grace. De naître dans le sein d'un homme qui a mis des traces claires devant moi. Of being born in a womb of a man who put clear traces before me. Mon père c'est mon héros. My father is my hero. Il a mis la barre trop haute. He put the bar very up. Et hier soir encore je réfléchissais. And yesterday I see things. Plus de 50 ans de ministère. More than 50 years of ministry. Sans répréhension. Without reprehension. La barre est très haute. The bar is very up. Je n'ai pas droit à l'erreur. I don't have j'aimerais right to vivre error. Comme j'ai vu vivre cet homme. I want to live as I saw live this man. Dans beaucoup de points, il est mon modèle. In many points, he is my model. Parce que j'ai vu un homme vivre la vie de Christ. Because I saw a man living the life of Christ. Je n'attends pas que mon père soit un cadavre. I don't wait that my father should be a corpse. J'aimerais dire a corpse. À qui veut l'entendre. I want to tell que to Dieu who wants to hear. Dieu m'a fait la grâce. That God gave me d'avoir grace. D'avoir un père biologique et un père spirituel. Of having a biological and a spiritual father. Qui marche sur les traces de Jésus. Who walks on the traces of Jesus. Qui marche sur les traces de Jésus. Who walks on the traces of Jesus. Et dans le ministère. And in the ministry. Ce homme est mon modèle. That man is my model. Un homme qui n'a jamais recherché la gloire du monde. A man who never seeks for the glory of the world. Un homme qui a un amour inconditionnel. A man who has an unconditional love. Je disais à ma femme. I was telling my wife. J'aimerais. As I would like. Atteindre le degré d'amour qu'a cet homme. To attain the level of love that have that man. Je crois que Dieu me fera grâce. I think that God will give me grace. Pourquoi je parle de cet homme? Why am I talking of that parce man? Parce que si. Because nous imitons Christ. We imitate Christ. Si nous cherchons à revêtir le caractère de Christ. If we are checking to clothe. Nous ne laisserons pas de confusion pour nos enfants. We shall not leave confusion for our children. Oh, laissez-moi vous dire. Leave me to tell you. Le but de l'église. The goal of the church. Ce n'est pas de te rendre riche. It's not of making you rich. Le but de l'église. The goal of the church. Ce n'est pas de te guérir. It's not of healing le you. Le but de l'église. The goal of the church. Ce n'est pas que tu réussisses à tous tes examens. It's not you. The God of the church is not doing all that you think for your life on earth. Le but ultime de l'église, the ultimate goal of the church is to bring you to heaven. Écoute-moi. Si tu reçois toutes ces choses, if you receive all those et tu rates le ciel, and you lose heaven, moi au paquet, me au paquet, j'aurais couru en vain. Run in vain. Ma course sur cette terre. My run on ne my race on rien. This earth will serve to nothing. Revêtir le caractère de Christ. Clothing the character of Christ. C'est là notre but. There is our goal. C'est là notre course. There is our race. Et pendant tout ce mois, tu as été enseigné. And all this month you were taught. Ce matin, this morning, par la grâce de Dieu, by the grace of God, je voudrais parler de quelques caractères dominants de la vie de Christ. I want to talk of some dominant character of the life of Christ. Quelques caractères. Some character. Très visible. Very visible. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus. When we are doing lessons on the life of Jesus. Lorsque tu commences when you à lire les évangiles, reading the gospels, et tu les étudies and you study avec beaucoup d'attention, with much attention, tu découvriras qui est Jésus. You shall discover who is Jesus. L'objectif, the objective, de cette étude, of this study,
of this c'est de nous emmener is to bring us, en tant que chrétien, as Christians, avoir une bonne compréhension to have a good knowledge, et une bonne connaissance de la personne de Jésus-Christ. A good comprehension and a good knowledge of the person of Jesus c'est Christ. C'est cela le premier objectif. It shall be the first objective. De tout ce que tu as appris dans ton assemblée locale pendant tout le long de ce mois et que tu vas conclure encore ce matin. Of all what you have taught in your local assembly and what I will tell this morning. L'objectif c'est de donner à chacun de nous frères et sœurs. The objective is to give to everyone une plus large compréhension. A more large comprehension. Des marques dominantes. Of the dominant marks. De la vie de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, mais aussi pleinement en tant que fils de l'homme. Of the life of Jesus Christ as son of Christ and as son of man. Le but de cet enseignement, frère, the goal of this teaching, brother, c'est de démystifier is to demystify la vie de Jésus-Christ, the life of Jesus Christ, et de la rendre accessible, and to make her accessible pour le chrétien que je suis et que tu es, for the Christian who I am, afin de nous permettre de vivre so that we dans notre quotidien, in our quotidien selon la puissance du Saint-Esprit. According to the power of the Holy Spirit. Le but de cette étude, the goal of this teaching, c'est qu'en tant que chrétien, is that as a Christian, nous puissions avoir, we should have, matière à prier, des sujets de prière, subjects of prayer, nous puissions savoir que demander à Dieu, we have to know what we shall ask God. Parce que j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu quand de ses saints les lui demandent. Because I want to tell you that there are things that God likes when one of his saints asks. J'ai aimé un témoignage ce matin. I loved a testimony this morning. J'ai aimé tous vos témoignages, mais l'un m'a marqué. All the testimonies, but one parce que le frère n'arrivait pas lui-même à expliquer comment il a eu une maison. Because the brother did not parvain to tell you how he had a home. Vous savez, je suis psychologue dans ma profession. I am a psychologist in my profession. Ou dans ma formation. Or in my formation, if you want. Et quand quelqu'un parle, and when someone talks, by deformation, je dois écouter. I have to listen. Parce qu'il dit, not what mais he ce says, que dit son esprit. But what says his spirit. Donc il n'arrivait pas à exprimer. So he could not express. Parce que je veux dire à quelqu'un, because I want to tell someone, Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu n'est pas chiche. God is not selfish. Dieu n'est pas avare. God is not. Et Dieu ne se vante pas. And God did not boast. Dieu ressent toutes tes douleurs. God feels all your pains. Quand tu pleures, il when pleure you cry, en toi. He cries in you. Quand tu as mal, il a plus mal que toi. When you are feeling pains, he has more pain Dieu for you. Dieu recherche. But God is seeking sur cette terre, on this earth, des hommes et des femmes, men and women, qui vont faire éclater sa gloire. That shall do explore his glory. Ce qui retarde certaines choses dans ta vie. What delays some things c'est in your life? C'est que ton cœur n'est pas prêt. Is that your heart vous is savez, not ready? Je suis un peu étonné ces derniers temps. I am so amazed. Quelquefois je me pose la question, est-ce que Dieu a mal fait de bénir un tel? Sometimes I question myself, did the Lord did by to bless this man? Vous savez? You je know, suis l'un des pasteurs qui n'a pas prié. Seigneur, envoie les riches dans mon église. Bring rich je n'ai pas fait cette prière, pasteur Thomas. That prayer, pastor j'ai dit, Thomas. Seigneur, I said, Lord, bénis mes enfants qui deviennent riches. Bless my children, let them be rich. J'ai jamais recherché l'amitié des riches. Seek for friendship with the rich. No. Mais par but by la grâce de Dieu, the grace of God, au travers de ce ministère, by this ministry, j'ai vu Dieu ramasser les gens du fumier. I saw the Lord taking people from et les faire grimper and make them rise. Les faire asseoir au milieu des grands. Make them sit among j'ai vu des gens partir de rien. I saw people going from de personne from none à no quelqu'un one to someone. J'ai vu Dieu I saw God prendre n'importe qui taking anyone
pour en faire quelqu'un. To make someone. Et je peux le témoigner. And I can testify it. Mais, but, quelquefois, sometimes, je vois combien le statut que tu as donné à certaines personnes les a transformées en statues. I see how the statue that God gave to some people transform them in statues. Que le statut que Dieu va te donner ne te transforme Let pas en statue. Let the statue of that God will give you do not transform you to a statue. Tu les as tellement bénis qu'ils ne peuvent plus venir à l'église. God so blessed them that they can't come to church. Tu les as tellement bénis qu'ils ne peuvent plus danser devant lui. God so blessed them that ils sont devenus tellement grands. They became so brave. Quelle misère. Which misery. Quelle misère. Which poverty. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Let that not happen to you in the name of Jesus. Yeah. Brother. Mais il y a des choses. There are things. Que quand quelqu'un commence à demander à Dieu, il commence à plaire à Dieu. That Amen. When someone starts asking to God, he starts pleasing to God. Je vais vous dire. I want to tell Pourquoi you, le trône de David ne sera jamais ébranlé? While the throne of David shall never be broken. Un jour, some one day, David a péché contre Dieu, sinned against God, et il a perdu le trône. And he lost the throne. Pasteur Thomas, au lieu de dire à Dieu, instead of telling God, oh Dieu, oh God, pardonne mon péché, forgive my sin, restaure-moi le trône, and restore the throne. Il dit Dieu, he said God, ne me retire pas ton esprit, don't remove your spirit, tu peux prendre mon trône, you can take my throne, Seigneur, prends même toutes Lord, mes femmes, take all my que wives, Absalom prenne tout, let Absalom take all, pardon, but please, ta présence, your presence, ne me retire pas, don't remove it. Personne, no one, ne peut faire une telle prière de tout son cœur et ne pas plaire à Dieu. Cannot make a such prayer with all his heart. J'ai vu Dieu donner un chèque en blanc à Salomon. I saw God giving a check in white. Un chèque en blanc. A check in white. Salomon. Je ne dis pas un président de la République. I'm not saying a president of the Republic. Je ne dis pas un roi. I'm not saying a king. Ce n'est pas le roi du Qatar. It's not the king of Qatar. C'est l'Éternel, le Dieu He's des armées. Of armies. Celui qui a fait le ciel et la terre. The one who did earth. Il dit Salomon. And heaven. Demande ce que tu veux. Salomon, ask what you want. Et je vais te donner. And I shall give you. Je peux vous choquer. And I shall. Je n'ai pas mis de limite. God did not put limit. Yes. Dieu n'a pas mis de limite. God did not put a limit to that. Salomon, tu peux écrire même un cahier. Solomon, write a book. J'ai décidé de t'exaucer. I decided to fulfill. C'est souverainement. Is sovereignly. Et j'ai vu. And I saw. Un jeune homme. A young one. Demander une chose à Dieu. Asking someone et la chose a plu à Dieu. And the thing pleased Salomon God. Dit, oh Dieu. Solomon says, je ne te demande pas de tuer mes ennemis. I'm not asking to kill my enemies. Je ne te demande pas la prospérité. I'm not asking prosperity. Donne-moi un cœur sage I et intelligent. Need a wise and intelligent heart. Pour pouvoir diriger ce peuple. So that I can lead these people. Que tu m'as donné. That you gave me. La Bible dit cette demande plus à l'Éternel. The Bible says that man pleased the Cette Lord. Demande plut à l'Éternel. That man pleased Dieu the dit Lord. Salomon. And the Lord says, ah, je ne vais pas seulement te donner la sagesse. I will not just give you wisdom. Pas seulement un cœur intelligent. Not just an intelligent mais heart. Je vais te donner la richesse. But I will give you rich. Comme riches. Il n'y en a jamais eu sur la terre. As they never had on Et earth. Comme il n'y en aura jamais. And as they will be never. J'écoute les pasteurs prêcher. I hear pastor preaching. Ils disent de Salomon, Dieu l'a béni comme il ne bénira plus chaque. Personne sur la terre. Non, comme il n'avait béni personne sur la terre avant lui. I hear pastors preaching and say. Non, c'est pas seulement ça. Ils ont mal lu. They read. Allez relire. They did not read well. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. They was not and they shall never be. Que ça vous plaise ou pas, personne ne pourra être plus riche que Salomon. Even if it please you or not, no one shall be rich. Il n'y en a pas eu avant lui. There was not. Il n'y en aura pas après lui. And they shall not be after him. Tu comprends ça? Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, and the Bible say at the time Lord, était à Jérusalem comme la poussière. At Jerusalem as aussi fine que la poussière. Lord, as dust, as sand. Ça peut vous dire quelque chose. It can tell you something. Le but de cette prédication, c'est que Dieu te donne un goal,
une demande circoncise. The goal of this preaching is that God will give you a circumcised demand. Demande circoncise. A circumcised demand. Cesse de demander aux choses à Dieu les choses ordinaires. Stop asking ordinary things to God. Demande des choses qui vont t'accompagner au-delà de la terre. Ask things that shall bring you above the grave. Parce que tu dois laisser tes marques. Because you have to leave your mark. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I talking to someone? Le premier caractère de Christ dont je veux parler ce matin, of God that I want to talk this morning, c'est que Jésus est un gagnant d'âme. That Jesus was a soul winner. Oh, j'ai étudié la vie de Jésus. I studied je n'ai the pas life vu of God. Un caractère plus grand I do not see a que son character amour pour les âmes perdues. Than his loss for the losing soul. Jésus était un gagnant d'âme. Jesus was a soul winner. C'était un trait parfait de sa personnalité. He was a perfect trace of his personality. Il était engagé. He was engaged dans l'œuvre d'évangélisation pour le salut des perdus. Of preaching of the gospel for the salvation of the lost. Et je vais demander qu'on lise quelques textes. And I will ask us to read some texts. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Matthieu chapitre 1? Can someone read for us Matthew 1? Verset 20 à 21. Verse 20 to 21. Un autre lira Matthieu 4. Another Matthew 4. Juste le verset 17. Just verse 17. Un autre lira Luc 19. Another Luke 19. Juste le verset 10. Just verse 10. Ainsi de suite. Amen. Si vous n'êtes pas à la page, if you are not at the page, on n'a pas trop de temps ce matin. We don't have much time this morning. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. Oui. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Un ange du Seigneur lui apparut. An angel of the Lord appeared. Joseph, fils de David, Joseph, ne crains pas de prendre à toi Marie, ta femme, oui. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. People from his sins. La destinée de Jésus. The destiny of Jesus. C'était sauver les perdus. Was saving the lost. La destinée de Jésus. The destiny of Jesus. C'était de sauver les perdus. Was of saving the lost. Sauver les perdus. Save the lost. Léo, bien-aimé. Oh, beloved. L'ange a dit à Joseph. Angel said to them. Cette fille porte un enfant. This girl is que tu appelleras Jésus. I shall call Jesus. Par son nom, il signifie sauveur. He signifies savior. Signifie sauveur. Signifie savior. Matthieu 4, 17. Matthew 4, 17. Ma Bible dit. My Bible says. Dès ce moment. At that moment. Jésus commença à prêcher et à dire. Preaching and saying. Repentez-vous. Repent. Car le royaume de Dieu est proche. For the kingdom of God approaches. Jésus était un prédicateur de la repentance. Jesus was a preacher of repentance. Jésus était un prédicateur de la repentance. Jesus was a preacher of repentance. Car il savait qu'il est venu. So he knew he came. Dans ce monde. World, to réconcilier les pécheurs avec Dieu. To reconcile sinners with God. Oui, bien-aimé. Yes, beloved one. Bien-aimé. Beloved one. Jésus prêchait la repentance. Jesus preached repentance. Si tu ne sais pas quoi prêcher, if you don't know what to preach, annonce de la repentance. Announce them repentance. Car le monde va passer. Because the world shall pass. Un jour vient où ce monde prend la fin. A day come where this world shall take an end. Un jour vient où notre voyage sur la terre prend la fin. A day come where our journey on earth shall take an end. But la fin de ce voyage. Before the end of this journey, you have to reconcile with God. Mon frère, ma soeur. Brethren. Toi qui continues à vivre dans le péché, living in sin, il faut te repentir. You have to repent. C'est-à-dire changer de chemin. Change your way. Changer de direction. Change your direction. Cesse d'aller vers l'enfer. Oh, de tourner vers le ciel. Stop going through hell. Try to turn toward heaven. Tu dois recevoir Jésus comme ton sauveur. You have to receive Jesus as your savior. Accepter de marcher en nouveauté. Accept walking in a new life. Bien-aimé, beloved, dans Luc au chapitre 19, le verset 10, Luke 19:10, Jésus se présente.
Jesus presents. Il présente sa mission. He presents his mission. Il dit le Fils de l'homme. He says the Son of Man. Le Fils de l'homme est venu. The Son of Man came. Le Fils de l'homme est venu. The Son of Man came. Pour chercher et sauver. To seek and save. Ceux qui étaient perdus. Those who were lost. Ça c'est la version lui second. This is the King James. Et la version parole de midi. And the Good News version says. Pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. To seek to bring to life those who were lost. Jésus est venu. Jesus came pour amener au salut les âmes perdues. Nous étions errants comme des brebis. We were walking chacun de nous suivait sa propre voie. Everyone followed Dieu a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. God make his Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. God make fall on him the iniquity. C'est à cause de nous qu'il est allé sur la croix. Because of us he went on the cross. C'est à cause de nous qu'il est mort. It's because of us he mais died. Il n'est pas seulement mort. But he did not just die. Le troisième jour il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra juger les vivants et les morts. Judge the mais avant que ce temps arrive, before that time nous avons comes, un temps de grâce we have the time of grace pour affirmer notre vocation et notre action. Our vocation. Il ne suffit pas de recevoir Jésus. It's not just of receiving Christ. Tu dois marcher avec lui. You have to walk with en him. Nouveauté de vie. In a new life. Chaque père, chaque chrétien doit pouvoir every dire Christian j'étais, maintenant je suis. Has to say, I was. Oh, dis à quelqu'un, est-ce qu'il y a un j'étais dans ta vie? Tell to someone is there. Oh, pose-lui la question, est-ce qu'il y a un j'étais dans ta vie? Ask someone if there is. Oh, si tu ne peux pas répondre à cette question, j'ai l'honneur de te dire, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Ma Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 17, si quelqu'un est en Christ, if someone is in Christ, il est une nouvelle créature. He's a new creature. Les choses anciennes sont passées. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a un ancien. In the life of every Christian, il y a un ancien. They say old. 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 Les choses anciennes. The old things. L'édition ancienne. The old edition. Je suis la nouvelle édition de Nagawake. L'ancienne édition est morte. The old edition is dead. Le jour où j'ai reçu Jésus. The day I received Jesus. C'est une vérité. It's a truth. Les chrétiens sont de nouvelles créatures. Christians are new creatures. Oui, bien-aimés. Yes, beloved ones. Bien-aimés. Beloved ones. Dans Jean chapitre 4. In John 4. Verset 31 à 38. Verse 31 to 38. En tant que gagnant d'âme. As a winner of souls, Jésus est passionné de l'œuvre d'évangélisation. Jesus is passion of the nous le voyons assis sur le puits de Jacob. We saw him sitting. Et il a une conversation avec Jacob, une femme. And he's conversing with a woman. Que Dieu bénisse mon fils. Let the Lord bless le serviteur Onana. Servant Onana. Il s'est inspiré de ce texte hier pour nous enseigner comment évangéliser. Inspired yesterday of that text to teach how to evangelize. Comment évangéliser pratiquement? How to evangelize. Et je crois que chaque participant au séminaire était béni. And I have Jésus était assis au puits de Jacob. Was blessed. Jesus was sitting on the well of Jacob. And a Samaritan woman came to Jesus. Et Jésus a ouvert une porte pour l'évangile. And Jesus opened the door for the gospel. Oh, madame, donne-moi de l'eau. Oh, madame, give me some water. Jésus n'avait pas soif d'eau. Jesus was not thirsty. Il avait soif de son âme. He was thirsty of her soul. Donne-moi de l'eau. Give me water. Comment puis-je donner de l'eau? How can I give comment water? Peux-tu me demander de l'eau? How can you ask me? Toi, tu es un juif. You are a Jew. Moi, je suis samaritain. Yeah, est-ce que tu as oublié? Do you forget? Que les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. The Jew and the Samaritan did not. Mais écoute-moi. Collaborate. À la fin. But yet at the elle end, a reconnu. She recognized que c'était pas un Juif qui était devant elle. It was not a Jew. C'était le Sauveur. It was the Savior. C'était le Sauveur. It was the Savior. Cette femme. That sans jamais passer à une école biblique. Without going. Sans jamais faire une école de ministère. Without doing a biblical. Sans jamais faire une école de ministère. Without doing a ministry school. A gagné tout un village à Christ. Gain all a village. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Come and see a man who told me. Oh, j'aime l'apôtre Jean. I love Apostle John. À cause de la déclaration formelle. Because of the formal declaration. La déclaration formelle. Formal declaration. La déclaration ferme. The firm declaration de cette femme of that word voir come and see un homme
a man qui a changé mon histoire. Who changed my story. Venez voir. Come and see. Maintenant, man qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Me all what I did. Ne serait-ce pas le Messie? This isn't the Messiah. Ne serait-ce pas le Messie? Is it not the Messiah? Oh non, c'est pas un prophète. No, it's not c'est a prophet. Dieu lui-même. It's God himself. C'est le Sauveur. He's the Savior. C'est le Sauveur. He's the Savior. Puisses-tu reconnaître Jésus? Can you recognize non pas seulement comme un personnage de l'histoire, not just as a mais as comme a le Sauveur, but, like le Sauveur du monde, as the Savior of the ton world, propre Sauveur, your own Savior. Pas seulement comme un personnage religieux, a religious person, mais comme le Sauveur. But as the Savior. Parce qu'en effet, c'est lui le Sauveur. Because he is the Savior. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Out of him, there is no salvation. Et Jésus and Jesus libère sa passion. Liberate ses disciples him. Viennent le voir. Et lui disent, mais écoute, but yes, écoute listen, Jésus. Listen, Jesus. Il faut que tu manges. You have to eat. Mais attendez, qu'est-ce que je vais manger? What? Will I je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. I eat a food you don't know. Ah! No. Je mange une nourriture. I eat a food que vous ne connaissez pas. You don't know. Et ils sont en train de se demander. Mais qui lui a amené à manger? Who brought him? Oh, Jésus leur dit. Jesus told il est venu dans leur pensée. Il a dit ma nourriture. And he said my ma nourriture. My food. Et de faire. Is of doing. La volonté. The will. Of the one who sent me. And accomplish and my Bible says to Timothy what God wants is that all men be saved. La nourriture de Jésus, the food of Jesus, c'est de gagner les âmes. Is, is of gaining souls. Si tu es chrétien, if you're a Christian, tu dois être comme Christ. You should be as chrétien Christ. Signifie comme Christ. Christian means as Christ. Dis-moi, tell me, le dernier traité que tu as tendu à quelqu'un. The last tract you gave ça someone. Date de quand? It dates of when? La dernière fois où tu as prié. The last time you prayed. Et tu es sorti de ta maison. And you came out of your et tu es allé rencontrer quelqu'un quelque part. And encountered someone peut-être somewhere. À l'hôpital. Maybe at peut-être the dans sa maison. Maybe in his house. Peut-être dans le lieu de service. In the avec ton seul objectif. With one aujourd'hui, je dois te parler de Jésus. I have to talk of Christ. Si tu n'évangélises pas. If you don't preach the gospel, tu ne ressembles pas à Christ. You don't resemble Christ. Si tu n'évangélises pas, if you don't preach the gospel, bien-aimé, beloved one, tu ne plais pas à Dieu. You don't please God. Tu ne plais pas à Dieu. You don't please God. Jésus était un gagnant. Jesus was a soul winner. Jésus était un gagnant. Jesus was a soul winner. Et dans Marc au chapitre 16, Mark 16, à partir de son verset 9 à 16, vous lirez à la maison. Jésus s'est tourné vers les apôtres. Jesus turned towards et il les a confiés de continuer l'œuvre d'évangélisation. To continue the act of il les a confiés l'œuvre d'évangélisation. Ce qu'il avait accompli toute sa vie. What he accomplished ce qui était sa passion. What was his c'est ce qu'il a demandé à l'église de faire. He asked the church il nous a tous confié le message. He all gave us the message. Le message. The message. De la réconciliation. La bonne nouvelle est un message de the réconciliation. Bien-aimé, beloved one. Ma Bible dit, my Bible says, Jésus Jesus est arrivé au milieu d'eux. Arrived amongst them. Et il leur a reproché leur incrédulité. Et puis il leur a dit, and after he said, tout pouvoir m'a été donné. All powers given dans le ciel et sur la terre. On earth. Toute autorité m'a été donnée. Was given dans le me. Ciel et sur la terre. Earth. Allez. Go. Allez. Go. Allez. Go. Faites de toutes les nations. Of all nations. Les disciples. Disciples. Les baptisants. Les au nom du Père. Celui qui ne croira pas sera condamné. Condemned. Yes. Aide-moi à dire à quelqu'un, Jésus était un gagnant d'âme. Help me tell someone, Jesus was a soul winner. Et toi? And you?
Et toi? And you? Et tu es un gagnant d'âme? Are you a soul winner? Oh, je suis venu avec un devoir ce matin. Came with a duty. Frère, sœur, sister. Je suis venu vous dire. I came to tell you. Si nous sommes chrétiens, if you are Christian, nous devons gagner des âmes. We have to gain souls. L'église de Yaoundé. The Church of Yaoundé. Entre septembre 2021. September 2021. Et septembre 2. September. Et septembre 2022. 2022. Doit atteindre 15,000 âmes au moins. Have to attend 15,000 souls. 15,000 souls. Doit être touché. To be touched. Avec le message de l'évangile. By the message of the gospel. C'est ce qui nous a été donné. It's what was given hier comme objectif. Yesterday as objective. Nous devons atteindre 15,000 âmes. 15,000 âmes. Nous avons une année. Ma Bible dit malheur. My Bible says. Celui qui enlève son petit carnage. Miserable is the one who's removed himself from the world. Malheur. Miserable. Malheur à moi, dit Paul. Miserable. Si je n'annonce pas l'évangile, I don't say il est temps que tu te libères de cette malédiction. It's time to de ne pas annoncer l'évangile. You break yourself from this curse. Nous devons atteindre. I'm preaching the gospel. Et le Seigneur promet. And the Lord promises. L'église de Yaoundé, est-ce que je peux te parler? Yaoundé, can I talk to you? Ah, je n'entends pas ton amen. L'église de Yaoundé, est-ce que je peux te parler? Le Seigneur nous promet une moisson de 5,000 âmes. Si nous atteignons 15,000 âmes, le Seigneur dit qu'il en fera au moins 5,000 âmes dans nos assemblées. Il est temps de bouger. It's time to shake. Il est temps de bouger. It's time to shake. Dis à quelqu'un, il est temps de bouger. Tell someone it's time to shake. Jésus était un gagnant d'âme. Jesus was a soul winner. Et toi, mon frère. And you, brother. Et toi, ma soeur. And you, sister. Cher serviteur de Dieu. A servant of God. Cher pasteur. A pastor. Chers évangélistes. Dear evangelists. Nous ne sommes pas des fonctionnaires ecclésiastiques. Nous sommes des gagnants d'âmes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le maître. Choose me. C'est moi qui vous ai choisi. It's me that choose you. Et qui vous ai établi. And established. Pourquoi? Why? Afin que vous alliez. So that you go. Et que vous portez du fruit. And that you bear fruit. Et que vos fruits demeurent. And that your fruit abide. And he said, la branche qui ne porte pas de fruit. The branch who do not sera bear fruit. Coupée. Shall be cut. Ce ne sera pas ton lot. Shall not be oh, jeune homme, ça ne va pas t'arriver. Jeune fille, ça ne va pas t'arriver. You, maman, ça ne va pas t'arriver. Papa, ça ne va pas t'arriver. Father, parce que tous, because nous sommes engagés dans une année in a year, missionnaire. A missionnaire. Oh, dis à ton voisin, tell nous sommes engagés, toi et moi, you and me, dans une année missionnaire. A missionary year. Alors annoncez l'évangile. Alléluia. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. If you believe, clap for the Lord. Le deuxième caractère de Jésus. The second characteristic of God. Jésus aimait. Jesus non, Jésus God. Était un homme de prière. He was a man of prayer. Jésus était un homme de prière. Jesus was a man of Jésus prayer. Était un homme de prière. Jesus was a man of prayer. Et j'ai pris le livre, l'évangile de Luc. And I took the gospel of c'est l'évangile qui retrace le plus la vie de Jésus, la vie de prière de Jésus. The life of prayer of Jesus. Dans Luc au chapitre 3, in Luke 3, verset 21 à 22, verse 21, oh, ma Bible déclare, pendant qu'il priait, as they were praying, pendant son baptême, as, alors qu'il est sorti de l'eau, his baptism ma Bible dit, pendant qu'il priait, he says, le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, as a, le Saint-Esprit est descendu sur lui, the Holy Spirit sous came une forme corporelle, as a dove. C'était comme une colombe, it was as a dove. Les gens ont vu, people saw. Jean-Baptiste a reconnu que c'était le signe. Jean-Baptiste saw it was a ah, Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Said, the one who sent me to baptize. Oh, Jean-Baptiste a dit, je ne le connaissais pas. I did not know him. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. The one who sent me to baptize. Celui sur qui tu verras. L'esprit descend comme une colombe. The one on c'est lui. Told me the one on which c'est lui. The spirit of God coming. C'est lui le Messie. Him the Messiah. Jean-Baptiste avait un signe fort.
John the Baptist had Jésus est un homme de prière. Jesus was a man of le prayer. Saint-Esprit n'est pas descendu parce que the Dieu l'avait prévu. Did not come down because parce que Dieu l'avait prévu. Because God did not preview it. Le Saint-Esprit n'est pas descendu parce qu'il était fils de Dieu. The Holy Spirit did not come because he was his son of God. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'il priait. The Holy Spirit came down because he prayed. Ah, je ne sais pas à quel niveau est l'onction sur ta vie. At which level is mais si tu t'engages à chercher Dieu, but if you engage to Dieu seek God, va te restaurer. God shall restore you. Dieu va te restaurer. Ce que nous avons entendu ce matin, this morning, cette parole prophétique puissante, prophétic word, la gloire de Dieu dans chaque département the glory de ta vie. Of God in any department of your life. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a good news for you. Si tu ne pries pas, if you don't pray, tu t'engages pas dans le jeûne et la prière, in fasting and tu prayer, ne verras rien. You shall see nothing. Pourquoi? Why? Parce que dans l'économie de Dieu, because in the economy dans la souveraineté de Dieu, the sovereignty dans le fonctionnement God, divin, Dieu a décidé God de ne jamais faire quelque chose sur terre tant que l'homme ne lui en donne pas l'opportunité. Make something on earth if man did not give him the opportunity. Prier, c'est donner une opportunité à Dieu. Praying is giving an opportunity to God. Prier, c'est ouvrir le ciel. Praying is opening heaven. Prier, c'est stopper l'enfer. Praying is stopping in hell. Prier. Pray. Prier, pray. C'est envahir l'invisible. La prière transforme l'impossible en possible. Prayer transforms impossible to possible. Oh, je veux parler à quelqu'un de Jésus. Talk to someone of Jesus. Jésus était un homme de prière. Jesus was a man David of prayer. David fut aussi baptisé. The Bible says he was also baptized. Et pendant baptized, qu'il priait, le ciel s'ouvrit. As he was praying, heaven le ciel s'ouvrit. Heaven opened. Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Came down as a dove. Et une voix s'est fait entendre. And a voice made. Demande à ton voisin, veux-tu entendre Dieu te parler? Demande à quelqu'un, veux-tu entendre Dieu te parler? Prie, 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 prie. Une voix s'est fait entendre. A voice was made. Yes. Parce que Jésus priait. Because Jesus prayed. Ah, je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. The hand of God in je peux déclarer que Dieu va te distinguer. I can declare God single you. Engage-toi dans une vie de prière. Engage in a life of prayer. Vous savez, you know, je dis souvent à ma femme. I always tell my wife. Je sais quelque chose qui a causé mon retard dans la destinée. I know what caused my delay in destiny. Je n'ai pas très vite compris. I did not understand pourquoi je priais beaucoup. Why I prayed much. Tu sais, prier sans compréhension ne sert à rien. Do you know praying without comprehension serves to nothing? Vous m'aimez toujours? Yes. Do you love me again? Faut pas faire du bruit vite. Do not make vain noise. Il faut prier avec compréhension. You have to pray with understanding. Tu vas l'entendre tout à l'heure. You hear it now. Quand tu pries sans compréhension. When you pray without comprehension. Même quand Dieu t'exauce, tu ne sais pas que Dieu t'exauce. Even when God. Même quand Dieu t'avertit, tu ne sais pas que Dieu t'avertit. God wants you. Don't know that He wants you. Je déclare dans cette vie. I declare in this life, au son de ma voix, at the sound of my voice, aussi loin que tu m'entends, as far you are tu ne prieras plus jamais sans compréhension à partir de ce matin. Without understanding in the, from this morning, in the name of Jesus. Oh frère, oh brother, je reconnais. I know qu'au début de ma foi, that at the beginning of my ministry, j'ai fait beaucoup de choses, I made mais sans things, compréhension profonde. Deep comprehension. Et cela conduit à beaucoup d'erreurs. And that conducted me to many errors. Vous ne ferez pas les erreurs que j'ai faites. You shall not do errors I did. Parce que vous connaissez ce que je ne connaissais. Because you know what I did not know. C'est important d'avoir la connaissance. It is important to have knowledge. C'est important d'avoir la connaissance. It's important to have knowledge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Jésus est un homme de prière. Jesus was a man of prayer. Jésus est un homme de prière. Jesus was a man of prayer. Ma Bible dit. My Bible. Qu'avant de s'engager dans le ministère. For engaging in the ministry. Officiellement. Officially. Luc chapitre 4. Luke 4. Verset 1 et 2. Verse. Ma Bible déclare, one and two, my Bible Jésus says, rempli du Saint-Esprit, Jesus full of the Holy Spirit, alla dans le désert, went into the desert, pour être tenté par le diable, tempted by the devil. Pendant ce temps, during this time, pendant ce temps, during this time, il ne mangea rien. He ate nothing. Durant ces jours-là, Jésus ne mangea rien. Days, Jesus ate nothing. Et après qu'il eut
Après qu'il fut recoulé, il eut faim. And after he went, Jésus a fait un jeûne complet de 40 jours. Jesus fasted for 40 days. Avant d'entrer dans le ministère, before entering into the ministry, il avait besoin d'entendre Dieu. He needed to hear God. Il avait besoin d'avoir les instructions. Need of having instructions. Il s'est tenu 40 jours devant Dieu. He standed 40 days en buvant de l'eau mais ne mangeant rien. Water, but eating nothing. Il était dans le désert. He was in desert. Peut-être à côté de Jean-Baptiste, je ne sais pas. Before John the Baptist, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis pas en train de le confirmer. Peut-être mangeant aussi du miel. Peut-être prenant aussi du miel. Eating, mais il n'a pas mangé des sauterelles parce qu'il est écrit qu'il ne mangea rien. He is written, peut-être qu'il suçait un rayon de miel. He did not eat mais il ne mangea rien. He did not bring, pendant ce jeûne complet, during this complete Dieu God s'est investi. Invested, il a investi sa puissance sur Jésus. Église, Church, il n'y a pas de puissance sans le jeûne. No power without fasting. C'est pourquoi au verset 16, il vous a dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Il est rentré dans le désert rempli du Saint-Esprit. The desert full of the Holy Spirit. Il est rentré rempli. He entered rempli full du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Mais but quand il est sorti du désert, he came out of the desert, il n'était pas rempli. He was not full. Il était revêtu. He was clothed. Il avait un débordement. There was an overflow. L'onction est un débordement. L'onction est un débordement. Et toi, dis à quelqu'un. Tu chantes rempli. You sing full. Mais j'attends le jour où tu vas chanter revêtu. But I want to wait for the day when tu prêches rempli. You preach full. Mais j'attends le jour où tu vas prêcher revêtu. I'm waiting for the day where you pray. Ah, je veux dire. I want to say. Tu sors évangélisé rempli. You evangelize. Mais j'attends le jour où tu sortiras revêtu. I want to wait. Il y a une différence entre la plénitude between et le revêtement. Between the fullness and the difference. There's a difference. Écoute-moi. Listen. Il ne s'agit pas de l'huile. It's not of all que le pasteur peut verser sur toi. That the pastor can pour ça on donne une dimension. It gives you a dimension. Ah, mais j'aime cette parole. But I love this word. Ah, j'aime cette parole. I love this word. Vous connaissez Pierre lundi. Peter says. Vous connaissez Jésus you de Nazareth. Jesus of Nazareth. Que Dieu a oint. That God anointed. Que Dieu a oint. God anointed. Ah, que l'église y serait fort. Dieu a oint. Let the church say God anointed. Dis-le plus fort. C'est Dieu qui oint. It's God who anoints. Dieu revêtu. God clothed. D'esprit. Of spirit. De force. Of strength. Et de puissance. Of power. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Who went from place to place. Who went from place to place. Doing good. Et guérissant de healing. All type of sickness. And deliverance. All those who were under the power of Satan. Voilà le jour que j'attends. This is the day I'm waiting for. Voici le jour que je cherche. This is the way I'm seeking. Voici une nouvelle saison. This is a new season. Où Dieu where God nous shall anoint si us. If we fast, pray, marchons dans la sanctification. Walk in sanctification. Je vous annonce. I announce you. Je vous annonce. I announce you. Que la pluie that the rain de l'arrière saison of the last season va tomber. Shall fall. Je vous annonce. I announce. Un réveil in qui va faire un verset. That shall make a tornado on your quarter, your department, ta ville, your town, ta nation. Your nation. Jésus était un homme de prière. Jesus was a man of prayer. Jésus était un homme de prière. Jesus was a prayerful je man. Lu. I read it. Dans le livre de Luc. In the book of Luke. Rien. Not l'empêcher de prier. Sees him from ma Bible dit. My Bible says. Sa renommée allait de plus en plus. His. Sa renommée allait de plus en plus. His person went further. Father and father. On entend parler de lui partout. They talk of him everywhere. Et des foules. And cried. Des masses. Venaient à lui. Came to him. Pour l'écouter. Yes. Et être guéri de leur maladie. He healed of their sickness. Malgré cela. Malgré cela. Despite that.
Malgré cela, despite that, il se retirait. He dans les lieux isolés. In isolated places. Pour prier son père. To pray his father. Bien-aimé collaborateur. Beloved one collaborators. Ces hommes ne doivent jamais nous éloigner. This man should de notre never communion personnelle avec Christ. Make us go far of our personal fellowship with Christ. C'est pas le nombre de personnes que tu reçois par jour. It's not the number of people qui fait ta grandeur. Who makes your greatness? En tant qu'homme de Dieu. As a child of C'est pas le nombre de miracles que tu accomplis. It's not the number of miracles you accomplish. C'est le nombre de temps que tu passes devant Dieu. The number of time you pass before God. Et le caractère de Dieu en toi. And the character of Christ in you. Voilà ce qui fait un saint homme de Dieu. This is what makes a un whole homme man différent. Of God. A different man. Osons être différents. To men dans cette génération in this où plusieurs ont choisi la facilité, where many seek for, les escrocs au col blanc, Dieu va vous détruire. God shall destroy you. Je n'ai pas peur de vous le dire. I am not Dieu va vous détruire. That God will destroy you. L'homme de Dieu a dit ce matin the man of God told this que morning, les temps de confusion sont finis. Of confusion are finished. Assure-toi d'être du bon côté. Assure of being of the good que side. Quiconque prononce le nom du Seigneur, let whoever pronounce the name of the Lord, dis-le plus fort, s'éloigne de l'iniquité. Quiconque whosoever prononce le nom du Seigneur, pronounces the name of the je Lord, te réclame du Seigneur, éloigne-toi du péché. If you are a child of God, go far from sin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était un homme de prière. Jesus was a prayer. Dans Luc chapitre 6 verset 12 à 16. 12 to 16. Il doit former son équipe missionnaire. He has to form his missionary. Ma Bible dit. Group. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Pray. Parole vivante dit, il passa toute la nuit word, en un tête-à-tête avec Dieu. Ah, j'aime ça. Un tête-à-tête avec Dieu. Demande un peu à ton voisin de ma part. Ask your neighbor. Ton dernier tête-à-tête avec Dieu, c'était quand? What was your last head-to-head with the Lord? Tête-à-tête. Head-to-head. Tête-à-tête. Head-to-head. Avec Dieu. With God. C'est pas la nuit de prière de l'église, oh. It's not a night of prayer with the church. C'est pas la nuit de prière de l'église. It's not a night of prayer of the church. Tête-à-tête avec Dieu. Head-to-head with the Lord. Pour que tes projets réussissent, so project, il faut que tu l'entends. Succeed. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Levez-vous, levez-vous. Chaque chose vous dit. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent, sont employés, nulle part, ils sont leurs propres employeurs? Levez-vous, je vais vous parler. La réussite dans les affaires. Succeeding in business. Ce n'est pas de courir à gauche à droite. It's not running right and left. C'est d'avoir une oreille ouverte. Having an open ear. Touche tes oreilles. Touch your ears. Touche tes oreilles. Touch your ears. Je déclare ce matin. I declare this morning. Je déclare ce matin. I declare this morning. Que la voix de Dieu t'oriente. That the voice of God vers ton lieu de prospérité. Toward your prosperity. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. C'est accompli. Amen. C'est accompli. It's fulfilled. Si tu ne peux pas entendre Dieu. If you can't hear God. Tu ne peux pas entendre Dieu. If you can't hear God. Tu vas t'égarer. We shall est-ce que j'ai les élèves et les étudiants ici? Are there students here? L'orientation scolaire. Levez-vous vite. Academical orientation. L'orientation scolaire. Academical orientation. Ce n'est pas de faire tout ce que font tes amis. It's not of doing all what made you. Hey, j'ai fait science parce que mes amis font I science. Do science because my friends are doing science. Ah non. No. Hey, non. Oh no. Oh, je veux faire ceci. Non. I want to do this. No. Tu dois l'entendre. You have to hear. Il t'a créé pour un but. He created you for a goal. J'ai un bac B. I have a level B. Un bac B. I have an economics. Mathématiques. A level. Maths and economics. Mathématiques et économie. Maths and economics. Et tout me disait. And all told. Tu iras t'inscrire à Soa en séance éco. You shall go in Soa. Jusqu'à ce que j'entre dans les parvis de Dieu. Until I enter in the. Et j'ai entendu me dire. And I heard him tell tu n'as pas de place à soi. You have no place at soi. Va à Yaoundé 1. Go at Yaoundé 1. Va faire psychologie. Go and do psychology. J'ai jamais eu de difficulté. I never had difficulties. Jamais. Never.
Si Dieu t'amène quelque if part, God sends you somewhere, ton esprit sous somewhere, your spirit. J'ai le droit prix de l'excellence, pas ce qu'on donne maintenant. Pas ce qu'on donne maintenant. Not what they maintenant, le prix de l'excellence, c'est pour tous les étudiants. À l'époque où moi j'étais là, non. At the stage il fallait être parmi les 20 premiers au niveau national. J'en ai eu 3. I had 3. 3 prix de l'excellence. 3 prizes of excellence. Why? Je l'ai entendu. I heard him. Je l'ai entendu. I heard him. Touche tes oreilles. Touch your ears. Touche tes oreilles. Touch your ears. Et dis de ta bouche. And oh Dieu. Oh God. Fais-moi entendre ta voix. Lumière. Montre-moi. Show me. Le lieu. The place. De ma prospérité académique. Of my academic prosperity. Au nom de Jésus. Name of Jesus. Amen. Amen. C'est fait. It's done. Tu l'as reçu. You receive it. Tu vas l'entendre. You shall hear him. Tu vas l'entendre. Shall hear him. Il m'a dit un jour. He told me one. Mon père, je venais de rater mon bac. I was just of la deuxième fois. My, et mon my père m'a dit. Level for the second time. And Jobin, told me, Jobin, tu dois aller en Allemagne. You have to go. Toute ma famille. In Germany. Était tournée vers l'Allemagne. All my family et was to Germany. Oh, je remercie and I said, Father, Papa. I thank est-ce the Lord. Que je prends un peu de temps pour prier? Do I take a small time? Et je suis to entré pray? Dans ma chambre. I entered et my quand room. J'ai mis mes genoux par terre, and when I kneel, il m'a dit ta place n'est pas en Allemagne. God told me your place is not in ta place est où, Seigneur? Où est ma place? I said, where is my place? Il m'a dit, c'est Nafobi Yaoundé. It's in Afobi Yaoundé. C'est Nafobi, c'est Nafobi. Nafobi Yaoundé. C'est Nafobi. C'est Nafobi Yaoundé. Yes. Don't translate it. It's Nafobi. It's Nafobi Yaoundé. Va. Go. Au centre de formation biblique. At the center of biblical formation. Ta place est à Yaoundé. Your place is at Yaoundé. Je n'ai pas consulté la chair et le sang. I did not consult. Je suis sorti, je suis venu devant papa. I came papa, out and I said, Father, je n'irai pas en Allemagne. I shall not go in Germany. J'irai à Yaoundé à l'école. I shall go at Yaoundé. C'est la deuxième fois que j'ai vu mon père bouleversé. It's the second time I saw la première fois c'est le jour où il a perdu sa mère. The first time is the day la deuxième fois c'est le jour où je lui ai dit je n'irai pas en Allemagne. The second time is the day I told him I will not go in Germany. I'll go at Yaoundé. Dieu n'a pas fait d'erreur. God did not make error. Je peux te dire que Dieu n'a pas fait d'erreur. God did not make an error. Je bénis Dieu d'avoir pris I cette décision sage. Of having taken this wise decision. À Yaoundé, Dieu m'a donné une femme. In Yaoundé, God gave Dieu m'a donné des enfants. God gave me children. Dieu m'a donné des enfants spirituels. God gave me spiritual children. Dieu m'a élargi. God enlarged me. C'est à Yaoundé que Dieu m'a ouvert les portes des nations. That God gave me. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. You have to be where God wants you to be. Tu dois entendre Dieu. You have to hear God. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to someone. Jésus était un homme de prière. Jesus was a man of prayer. Tu dois être un homme de prière. You have to be a man of prayer. Il est allé prier. He went avant de choisir. Choisis ses coéquipiers. Choosing. Il est allé sur la montagne. He went on the il est allé mountain. Sur la montagne. He went on the mountain. Il est allé sur la montagne. He went on the mountain. Il a fait un tête à tête avec Dieu. Bien-aimé, je vais terminer ce moment. I will finish this moment. Jésus Jesus avait une vie de prière. Had a life of tellement influente so que dans Luc 11, 1 à 4, that in Luke 1, ses disciples lui ont dit enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Je vais dire à quelqu'un. I want to tell peut-être someone, que tu ne pries pas parce qu'on t'a maybe jamais you don't appris pray, à prier. You don't pray because they never teach et je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, nous devons enseigner God. Aux gens à prier. Teach to on ne prie pas seulement, on apprend à prier. Learn how to pray. Avant je priais, before I pray, mais je priais mal. But I pray badly. Et j'ai appris à prier. And I learned how to pray. Ce matin, this morning, que Dieu te conduise quelque let part où tu vas apprendre à prier. You somewhere where you learn how to est-ce que pray? Je parle à quelqu'un? Mais pour donner un des secrets ce matin sur la prière. This morning I'll give you secrets. Il faut prier you have to en lisant la parole de Dieu. While reading the word of God. Jésus a dit. Jesus said, l'apôtre Jean a dit Apostle John que said, nous savons that we know que si nous lui demandons une chose that if we ask him a thing, selon sa volonté according to his will, il nous écoute. He is hearing et us. S'il nous écoute and if he is hearing, quel que soit ce que nous demandons no matter what we nous asking, savons que nous le possédons. We know we have it. 1 Jean chapitre 5, 1 John 5 verset 14 et 15, 14 and 15 nous savons que nous le possédons. We know we possess nous it. Savons auprès de lui cette assurance. We have si nous demandons quelque chose selon sa volonté, according to his où est sa volonté? Where is his will? Sa volonté est dans in sa parole. The word of God.
sa volonté dans sa parole. In his word. Pour chaque sujet de prière. For every prayer point. Lis un verset biblique. Read a et tu verras ton ciel ouvert. And shall see your heaven. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone? Jésus a prié aussi. Jesus prayed also. Pour préserver ses disciples. To preserve his disciples. Oh, j'aime ça. Oh, I love it. Nous devons prier pour nos fils spirituels. We have to pray for our spiritual son. C'est pourquoi je prie pour vous. This is why I pray for you. Chers serviteurs de Dieu. Dear c'est mon devoir de prier pour it's my duty to pray for tu you. Dois prier pour tes you enfants. Have to pray for your children. Tu dois prier pour l'église, pasteur. Pray for the church, pastor. Si tu es au niveau national, responsable au niveau national, tu dois prier pour la commission. You have to pray for the commission. Pourquoi? Why? Les disciples sont venus. The disciples came. Dans Luc. In Luke. Au chapitre 10. 10. Ils sont venus avec joie. They came with joy. Oh Jésus. Oh Jesus. En ton nom même les démons nous sont soumis. Even demons. Écoute ce que Jésus leur dit au verset 18. Listen what the Lord je voyais Satan. I saw Satan. Je voyais Satan. I saw Satan. Tomber du ciel comme un éclair. Falling from heaven as a voici. This. Je vous ai donné le pouvoir. I gave you the power. De marcher sur les serpents. Sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Comment il les a équipés? How do he equip ils étaient sur le champ missionnaire. Mais lui, il était en prière. But he was in prayer. Souvenez-vous de Moïse et Josué. Remember just en face d'Amalek. Ça marche encore. It works ah, je veux dire, ça marche encore. It works l'église, tu dois prier pour tes pasteurs. You have to pray for your pastor. Le pasteur prie pour l'église, l'église prie pour le pasteur. The pastor pray for the church and vice versa. Afin que ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre so ne nous arrive pas. Arrives to Apostle Peter. Ce qui est arrivé à l'apôtre Jacques dans Acte 12 ne nous arrive pas. What arrived to Apostle tu dois prier pour tes pasteurs. Paul dit aux Éphésiens, prie aussi pour moi. Afin que quand j'ouvre la bouche, il me soit donné d'annoncer hardiment le mystère de l'évangile. To announce the mystery of the gospel. Oh, le docteur Baquet prêche bien, oui. Grâce à vos prières. Yes, by your ah, je veux que tu en aies dit trois fois, amen. Pasteur plein d'onction, oui. Grâce à vos prières. Ah, je veux t'entendre dire amen. Ah, comme dit souvent, le Saint-Esprit donne-moi un amen, amen baptisé du Saint-Esprit. Yes. Amen of the Holy Spirit. Grâce à vos prières. Grace to your prayer. Oh, notre pasteur n'a plus d'onction. Je sais pourquoi. Parce que vous avez cessé de prier pour lui. Vous avez commencé à le critiquer. Et bientôt, si vous ne faites pas attention, Satan va le tuer comme il a tué Jacques. You don't pay careful, Satan l'église doit prier. Amen. The church has to pray. Oh non, notre pasteur, notre serviteur est faible. Je sais pourquoi. Parce que vous n'avez pas engagé l'arme du jeune en sa faveur. La force de notre pasteur est charnelle, je sais pourquoi. Parce que vous n'êtes pas mise dans l'intercession. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à l'église. Est-ce que l'église m'a donné trois fois, mais. L'onction de ton pasteur vient en partie de tes prières. Laisse-moi dire ça à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Jésus priait pour eux. Jésus priait. Jésus priait pour eux. Dans Luc 22, 31 à 32, il parle à Simon. Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Satan. Mais j'ai prié pour toi. To disturb you, but I prayed for you. J'ai prié pour toi. I prayed for you. J'ai prié pour toi. I prayed for you. Satan a voulu vous cribler. Satan wanted to disturb you. Mais j'ai prié pour toi. I prayed for you. Quand tu seras affermi. When you shall be affirmed. Convertis tes frères. Convert your brothers. Oh Simon. Oh Simon. J'ai prié pour toi. I prayed for you. Faudra prier pour tes frères. You need to pray for your brothers. Nous devons prier les uns pour les autres. We have to pray one for one another. Je bénis Dieu d'avoir un assistant comme pasteur Thomas. As pasteur Thomas. Bientôt, soon, notre amitié va atteindre 20 ans. Our friendship we have 20 on n'a jamais eu de querelle. We never quarrel. Jamais de querelle. Jamais. We never quarrel. Jamais. Never. Jamais. Never. Jamais. Never.
Jamais. Never. Jamais de querelle. Never quarrel. Jamais de querelle. No quarrel. Je ne sais pas comment les pasteurs font pour se quereller. I don't know how pastors do to quarrel that themselves. Non. No. Non. No. La prière résout cela. Prayer resolves that. Priez les uns pour les autres. Pray for one another. Priez les uns pour les autres. Pray for one another. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, je vais terminer. In end, I will finish. Au crépuscule de sa vie. At the crépuscule. À la fin de sa vie. At the end of his life. À la fin de sa vie. At the end of his life. Alors que tout basculait. As all was falling. En plein mouvement de trahison. In full movement of betrayal. Où ceux qui le trahissaient, celui qui le trahissait semblait avoir le vent en poupe, semblait être plus fort. Where the one who betrayed him was. Ma Bible dit que Jésus than him, a amené that Jesus brought ses disciples au lieu de la prière. To the place of ah, j'aime ça comme I à sa coutume. As at prier était la coutume de Jésus. Prayer was at the prier faisait partie de ses habitudes phares. Prayer was one of his far. Il les a amenés. He brought them. Il les a amenés. He brought them. Il les a amenés. He brought them. Au jardin des oliviers. At the jardin of the olive. Il les a amenés. He brought them. À Gethsemane. At Gethsemane. Pour prier. To pray. Ma Bible dit. My Bible says. Qu'il a avancé un peu plus. He goes forward more. Il a pris avec lui Jean, Pierre, Jean he et Jacques. Him. James, John, and il est allé plus loin encore. John, and he went more far. Il les a laissés à son niveau. He lifted et il est encore him. Allé plus loin. And he went more ah, far. J'aime cette image. I love that image. Pasteur, pastor, si dans ton église quelqu'un church, prie plus que toi, someone pray more than you, tu as déjà raté le ministère. You already lost the ministry. Le leader doit faire plus que les leader autres. Leader has to do more than the others. Leader de département. Leaders of department. Si dans ton département il y a quelqu'un qui prie plus que toi, if in your department there's someone who prays, ta place est en danger. Your place is in danger. Il est allé plus loin que. He went more far than. Ma Bible dit dans l'agonie. In agony. Il a prié avec endurance. With anger. Il a prié avec persévérance. With perseverance. Lorsqu'il est revenu vers eux, when he came back toward them, il les a trouvés endormis. He found them sleeping. Ils étaient assoupis. They were as ils avaient trop mangé. They ate much. La nourriture, food, est l'ennemi de la prière. The enemy of prayer. Papa, comment on fait pour se réveiller la nuit pour prier? On mange peu. Father, how do you do to wake the night to pray? We eat less or not? Gardez, tu fais comment? Je mange peu ou pas? I eat less or I eat not. Mais si tu manges de couscous et tu viens à la nuit de prière, you eat fufu and you come to the prayer night. Et après tu viens avec le kaba. And you come with kaba. Et tu as la et tu as le pain. And c'est un pain de matelas. So, c'est la nuit de sommeil. Is it a night of sleep? J'aime les nuits de prière dans cette église. I love night of prayer in this church. J'aime même pas là où tu vas te cacher. There's not even where you hide. Mais j'aimais ça mieux quand il y avait pas le mur là. But I love it better when the et le vent arrive. And the wind comes. Ah, tu vois quelqu'un prier. You see même si tu veux pas prier, tu vas prier. Even if you don't want il y a que la prière qui va te réchauffer. It's just prayer that will hit you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier, frère. You have to pray, brother. Je veux laisser ces deux caractères dans votre cœur. Je veux laisser ces deux caractères dans votre cœur. Je voulais parler de trois caractères, mais je vais laisser les deux. Le Seigneur nous donnera d'autres occasions. Alors je vais finir en vous disant de noter ceci par rapport à la prière. I will finish by telling you to note this. La prière n'est pas une option pour le chrétien, c'est une obligation. Prayer is not an option for a Christian. Jésus n'a jamais dit s'il vous arrive de prier. Jesus never said it is arrive you to pray. Il a dit lorsque vous priez. He said when you pray. Quand vous priez. When you pray. C'est-à-dire que prier fait partie de votre programme de vie. It means prayer is part of your life program. Tout comme la prière. Deuxième chose, tout comme la prière. Second thing as prayer. Le jeûne n'est pas facultatif.
Just like prayer, fasting is not. Il est obligatoire pour le chrétien. It's not optional, it's obligatory for a Christian. Il est obligatoire pour le chrétien. It's obligatory for the Christian. Jésus n'a jamais dit si tu jeûnes. Jesus never said if you fast. Il a dit quand tu jeûnes. He said when you fast. Est-ce que tu as un programme de jeûne et de prière? You have a program of fasting and prayer. Si tu sors de ce culte, you go out of the service. Réactive ton programme de jeûne et de prière. Reactivate your program. Ah, pasteur, moi je n'ai jamais jeûné. Commence par 12 heures. Start by noon. 12 heures. By noon. Choisis 12. Un jour où tu passes 12 heures. Start by a day where tu ne bois que de l'eau, tu ne manges pas. No, you just drink water. You don't eat. Tu ne manges pas. You don't eat. Si tu veux être plus ferme, tu ne bois if pas. You tu ne manges pas. Firm, you don't eat and you don't drink. Depuis le matin. Since morning. 6 heures jusqu'à 18 heures. 6 to. Ça fait 12 heures de temps de jeûne. 6 a.m. to 6 p.m. Et détermine 12. Le moment où tu vas prier. And determine a moment when you. Écris tes sujets de prière. Write your subject, your et prayer va point. Vers Dieu. And go toward God. Dieu va t'exaucer. God shall fulfill you. C'est un Dieu qui exauce les prières. God who fulfills prayer. La troisième chose que je vais dire. The third thing I will say. Le jeûne et la prière. Fasting and prayer. Sont une et une seule entité. Are one and just one entity. Jeûner sans prier, c'est faire une grève de faim. Fasting without praying is making. À partir du 4 octobre, nous avons 21 jours de jeûne. From 4 October, we have 21 days of fasting. Vous le savez, c'est pas une information. You know, it's not an information. Nous sommes dans le 7/21. We are in 7/21. Nous sommes dans le 7/21. We are in 7. Je parle à l'église de Yaoundé. I'm talking to the church of Yaoundé. Nous sommes dans le 7/21. Vous savez ce que ça signifie? Je vais pas revenir. Je vais m'attarder. 21. À partir du 4 octobre. From 4 October, nous avons un moment de jeûne et prière 21 jours. We have a moment of fasting and prayer 21 days. Le jeûne est requis au moins jusqu'à 15 heures. Fasting is requested at least. Depuis le matin, pas depuis 6 heures. Depuis le moment, depuis 24 heures jusqu'à 15 heures. From 24 to. Pour les novices et les enfants jusqu'à midi. For novices and for children till. Et nous allons prier dans nos assemblées. And we pray in our assemblies. La prière, jeûner sans prier, c'est une grève de faim. Fasting without prayer is starving. Ésaïe 58 dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Isaiah 51 says, you don't. Afin que votre voix soit entendue. So that your voice be heard. Le jeûne n'est qu'un amplificateur de la prière. Fasting is an amplificator of prayer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Am I talking to someone? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Am I talking to someone? La quatrième chose. The fourth thing. Prier. Pray. Sans aucune connaissance de la without parole de Dieu. Any knowledge of the word of God. C'est comprendre une arme chargée. Is taking a charge. Et tirer dans tous les sens, dans toutes les directions. In all directions. À tout hasard. At all chance. Sans déterminer la cible. Without determining this, the. Le pasteur Thomas en va terminer une autre prédication. Toi, tu le regardes. Tu veux perdre ta destinée. You are, what are you looking outside? Michael, j'étais en train de dire que. Michael, I was saying. Prier. Pray. Mon fils. My son. Jeûner sans prier, prier sans la connaissance de la parole. Praying without the knowledge of the word. C'est tirer partout. Is shooting sans everywhere. Sans avoir une cible. Without having a target. Si tu veux être un vrai homme de prière, if you want to be a avoir prayer, des prières efficaces, have sachant prayer, que l'efficacité d'une prière est son exaucement, aligne tes prières line dans le sens de la parole. In the sign, in the sense of the word. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Et enfin, and at the end, non. Une cinquième chose, et je dirais une sixième avant de m'arrêter. And I will tell the fifth. Prier sans agir, praying without acting, c'est manquer de foi. It's lacking faith. Or Dieu n'honore pas, Dieu n'honore que la prière de la foi. God just honors the prayer of faith. Jacques chapitre 1 verset 6 à 8. James 1 6 to 8. Qu'il le demande avec foi. Let sans he douter, with faith, without car faith, celui qui doute for the one who doubts, est semblable au flot de la mer, is agité par le vent, et poussé d'un côté et d'autre. Quand tel homme ne s'attend pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, no man wait c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Unconstant in all his ways.
Et l'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques au chapitre 2, le verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. As the body without soul is dead, the faith without act is dead. Seigneur, Lord, bénis mon commerce. Bless my business. Bénis mon commerce. Bless my business. Et ta boutique est toujours fermée. And your shop is always closed. Dieu est insensé. You are an unbeliever. Dieu va bénir quoi? What do quand les autres vont ouvrir la boutique à 5h du matin, tu ronfles. When the others are opening the shop at 5 a.m. you are asleep. Non, Dieu bénit ton commerce et tu le maudis toi-même. God bless your business and you yourself you are cursed. Oh, bénis mes études. Bless my et tu avais le téléphone jusqu'à 2h du matin. Tu es en train de WhatsApper. Tu auras une bonne bénédiction à la fin de l'année. You have a good blessing at the end of the year. Parce que tu es un insensé. For you are, because you are. Quelle que soit la bénédiction sur la tête d'un insensé devient une malédiction. No matter be the blessing on the head of an demandez au frère Esaü. Of a foolish because. Il vous dira il n'est pas bien d'être insensé. As the brother Esau. Souffre maintenant. Suffer now. Pour améliorer ton futur. To make better your future. Oh Seigneur, je veux construire une maison, c'est bien. Lord, to build the house is good. J'ai une question à te poser. But I have a question. Si tu continues à manger comme tu manges, alors tu peux construire une maison. Eating and eating as you are eating. Hein? Will you build a home? Réponds toi-même. Non. Respond. Tu m'aimes toujours? You love me again? Certains n'ont aucun sens de l'épargne. Some have no sense of. Ils voient les arachides, ils mangent. Ils voient les croquettes, ils mangent. Ils voient la patate, ils mangent. Ils voient le riz, j'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Tu aimes quoi? He loves all much. Tes immeubles sont dans ton ventre. Arrête, glouton. Stop it. Tu peux jamais construire. You can never construct. Tu peux même pas acheter un terrain. Can even you cannot. Ceux qui prient pour acheter un terrain et parlent. That pray to buy a field. Ceux qui prient pour construire font quelque chose. Those who pray to build, they do something. Faut pas prier la prière des insensés, ça énerve Dieu. Prayers of unbelievers, of foolish people. Dis Seigneur aide-moi. Seigneur. Dis-le plus fort. Seigneur. Si tu pries pour une chose, if you pray for something, agis dans cette direction. Act in that direction. Moi je ne touche pas grand chose. Father, épargne dans ce que tu touches. Amen. Keep in what you are touching. Papa, je ne touche que 50 000. Fais comme si tu touchais 30 000. 50,000. Fais comme si tu touchais 30 000. Do as if you touch 30,000. Et certains sont là. Ils épargnent. Ils épargnent. Economize. Vraiment, on a. Ça fait longtemps qu'on n'a même pas bien mangé dans cette maison. Hein. Il va quand même, prends quand même 10 000 là, on va manger le poulet aujourd'hui. Tu es un insensé. You are an unbeliever, you are foolish. Tu es en train de tuer l'avenir. You are killing the future. Laisse l'épargne. Leave. Parce que l'opportunité va venir. For the opportunity et quand l'opportunité viendra, tu seras prêt. When the opportunity will come, you shall be la ready. Préparation est la première action avant l'action. The preparation is the first action before the action. Tu comprends? L'étape qui les permet étapes. L'action, c'est la préparation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu connais ton problème? Do you know your problem? C'est que tes yeux sont dans le panier de ta voisine. Your eyes are in the quand tu vois une grosse tête de mâchoiron, tu cherches à voir la même tête de mâchoiron. Accroche ton sac à ta taille. Put your back at your height. Tu peux même le poser sur le sol. You can even put it on the floor. L'avenir c'est pas demain, l'avenir c'est maintenant. Future is not tomorrow, but oh, aide-moi à dire que l'avenir n'est pas demain. Let me tell that to someone. L'avenir c'est maintenant. Je suis la tête et non la queue. Tu es la tête de la queue. I am the head and not the tail. You are the head of the tail. Tu connais pas que le dernier c'est la tête de la queue. Do you not know that the last is the head of the queue? Tu proclames des choses auxquelles tu ne crois pas. You proclaim things to which. Si tu crois, agis dans cette direction. If you believe, act in that direction. Je vais terminer. And I will finish. Agir sans prier. Acting without prayer. C'est comme utiliser un instrument tranchant. Is as using. Mais à la lame aiguisée. A sharp instrument, but
à la lame émoussée. La lame ne coupe plus. But that is blonde. Tu utilises une machette. You use a cutlass. Mais avec une lame émoussée. But a blonde. Beaucoup d'hommes d'affaires, femmes d'affaires, vous prenez le pas parce que vous n'avez pas un temps de jeûne. Because you don't have a time of fast. Amen. Dieu parle dans vos vies. God talk in your mais quel le jour où tu vas te dire, but ma boutique est fermée ce jour. Du matin jusqu'à midi, je suis devant morning. Dieu pour prier pour mes affaires. Till evening up to noon, I am before God to pray for my business. Pasteur, je n'ai pas le temps. Oh, pastor, I don't have time. Tu es plus occupé que Daniel. Are you more? Il avait 3 rendez-vous par jour avec Dieu. He had 3 meetings with God. Il était premier ministre. He was tu n'es qu'un minister. Petit fonctionnaire. You are just a small state worker. Tu sais pourquoi tu es comme ça? You know why you are like that? Ah, je peux te parler, non? Can I talk? Hein? Je peux te parler. Tu es comme ça parce que tu continues à faire les choses que tu faisais pour être comme ça. Doing things that you did. Quand tu vas changer ces choses-là, when you change those tu seras autrement. Shall be otherwise. La course n'est pas au plus habile. The race is not for the more able. Ni la bataille au plus fort. Nor the battle for the tout dépend de temps et de circonstances. All is of times and circumstances. Et Dieu est le maître des temps and God, et des circonstances. The master of time and circumstances. Il connaît ce qui sera demain. He know what shall be tomorrow. Tu as besoin de lui. You need him. Agis sans prier. Act without prayer. C'est utiliser une lame émoussée. It's using a ça demandera plus de force. It shall ask. Ecclésiastes 10 dit ceci. Ecclésiastes, si le fer est émoussé, et si l'on n'a pas aiguisé le tranchant, the iron is blunt and did not sharpen the iron, on devra redoubler de force. We shall put more strength. Mais la sagesse, but wisdom, a de l'avantage, has advantage pour le succès, for success. La sagesse c'est la révélation. Wisdom is revelation. Pendant que tu pries, as you are praying, pendant que tu pries, as you are praying, tu vas l'entendre. You shall hear him. Ma fille, my daughter, prépare-toi. Prepare. N'investis pas. Don't invest. Garde cet argent. Keep it. Il y a un contrat qui arrive. There's a contract coming. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Amen. Tu dois prier pour être aiguisé. You have to pray to be sharp. Quand je vois les hommes d'affaires, femmes d'affaires qui ne viennent pas à l'église, je me moque de vous. Quelqu'un a écrit, il ne faut pas prier, il faut seulement travailler. Someone tu will. Es censé. You should not pray, you should just walk. You are j'aimerais te dire pour ton information. I want to talk to you for le tien, ton monde tient sur des forces que tu ne maîtrises pas. The world is standing on forces. Tes affaires peuvent s'écrouler sans que tu saches où l'érosion a commencé. Your businesses can fall. Demande au frère Joe. Where it started. Ask your brother. Demande au frère Joe. Ask your brother Joe. Si tu ne crois pas que Satan existe, lui sait que tu existes. If you believe that Satan exists, he knows you are existing. La prière t'aidera à bien aiguiser le tranchant. Prayer shall help you to sharpen well the iron. Que le Seigneur te bénisse. Let the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. Let the Lord bless you. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter ici ce matin. Beloved one, I will stop here this morning. Et je voudrais prier avec vous. And I will pray with you. Je vais prier avec vous pour deux choses. And I'll pray with you for two things. La première chose. The first thing. Je vais prier avec vous. That I'll pray for with you. Pour que nous soyons tous des gagnants. That we should be all so winners. Je ne vais pas faire de longues prières ce matin. I'll not make long prayers this morning. Je veux prier dans la volonté de Dieu. I'll pray in the will of Jésus God. Était un gagnant d'âme. Jesus was a soul winner. Nous devons être des gagnants d'âme. We should be soul winners. Tu te sens à l'aise de te lever, mets-toi debout. If you want to stand, stand. Mais ne piétine pas ton voisin. But don't smash your neighbor. Tu te sens à l'aise assis, reste assis. If you feel fine, stay. Mais ne tire pas la main de ton voisin. Seated, but don't take the hand of your husband. Mais que ton cœur soit ouvert. But your heart being open. Que ton cœur soit ouvert. But your heart being open. Que ton cœur soit ouvert. But your heart being le open. Premier sujet de prière. The first prayer point. Oh Dieu. Oh God. Baptise-moi. Baptise me. Baptise-moi. Baptise me. Baptise-moi. Baptise me. De la part
passion des âmes. Of the passions of souls. Fais de moi make of me un gagneur d'âme. A winner of souls. À partir d'aujourd'hui, as from now, je veux partir. I want to go. Commence à prier. Commence start à prier. Praying. Start praying. Gabalo sakaraba gababa la chaîne nagarababa. Oh Dieu. Of the passions of the lost souls. Make of me a winner of souls. As from today, I want to go. I want to go towards my family. I want to go towards my colleagues. I want to go towards my neighbors. I want to go towards my friends. I want to go towards my collaborators. I want to go towards my associates. I want to go. Go and go. Jesus was a soul. And I want to be a soul. Baptize me, Lord. Baptize me, Lord. Baptize me, Lord. Pardon mes erreurs. Forgive my errors. Pardon mes égarements. Forgive. Pardon moi le manque de d'évangélisation. Forgive me the lack of evangelism. Pardon le manque de passion pour les âmes. Forgive me the lack of the passion for souls. Je viens à toi, Seigneur. I want to go. Je viens à toi, Seigneur. I come to you, Lord. Je viens à toi, Seigneur. I come to you, Lord. Ranime-moi. Ranime. Ranime. Reactive. Ranime. Active. Ranime. Active. Ranime. Active. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Deuxième sujet de prière. Second prayer point. Et dernier pour ce matin. And the last for this morning. Père. Father. Relève, lift mon autel de prière. My prayer altar. Oh Dieu. Oh God. Oh Dieu. Oh God. Relève, lift mon autel de prière. My prayer altar. Oui, je peux. Oui, je peux. Être rempli d'un zèle bouillant, toi et moi. Oh,
Ce matin, je veux prier pour deux genres de personnes. This morning, I want to pray for two types of people. Ce micro, before giving up the mic, le premier type de personne. The first type. Je veux prier pour quelqu'un qui veut que Dieu le restaure. I want to pray for somebody who wants God to restore him. Il sait qu'il a abandonné Dieu. He knows that he has abandoned God. Il a abandonné la vie.